ce qui me fait marrer, c'est que la première fois que je l'ai rencontré, c'est qu'il est très grand. Et puis, il a une voix caverneuse. Ce qui fait que quand même, quand il vous parle, vous avez quand même l'impression que c'est une voix d'outre-tombe qui vous parle. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que outre le fait qu'il nous a bien représenté sur le continent, par rapport au continent, c'est le fait de faire ce qu'il fait actuellement. Et ce qu'il fait actuellement est grandiose. C'est que n'oubliez pas, il a construit un hôpital pour la RDC. Il a une fondation qui s'occupe beaucoup de l'Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau de la NBA, au niveau du basketball mondial, il est ambassadeur quand même de la NBA. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui est vraiment une référence. C'est ça qui est la vérité.